Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 67e déjà. Qui l'aurait cru? Bon, de toute façon, notre colonie là est stabilisée. Il va falloir juste faire attention de ne pas manquer de certaines choses comme l'algue, le slime et compagnie. Ça pourrait être assez dérangeant pour la suite de l'aventure, mais ça va au final. On va pas s'en plaindre. Voilà, on va mopper en neuf. Là, un carnage. 38 000 de nourriture. Donc, hydroponique. Voilà. Il était temps. En neuf, bien sûr. Ça a l'air d'aller mieux. Ça construit de temps en temps. Bon, faut du temps, hein, mais. Par contre, ça creuse plus beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, ça creuse plus beaucoup. Ding 7 déjà, rendez-vous compte. Ruby. Voilà, ça délivre, tout va bien. Si ça a du mal, hein. Ah ouais, on est déjà ici au final. Ça a été vite. J'ai rien dit alors. Bon, la nourriture, vous voyez qu'elle, ça fait yo-yo en fait, hein, tout simplement. Ce qui serait bien, c'est de potentiellement pouvoir calmer un petit peu ce stress. Mais je vous avoue que je sais pas du tout comment faire. Parce que si j'en mets à l'arrêt, ça n'avancera plus et j'ai trop besoin de ça. Trop besoin que ça avance, malheureusement. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce qu'on a des algues qui fonctionnent encore, des désoxydeurs? Non. Ça va. Ah, même ici, hein. Il n'y a plus d'algues pour les terrariums. C'est un peu la misère quand même, là. De toute façon, le distilleur, il sert à rien. Ouais, il n'y a plus assez de slime. Ok, bon. On a réglé le problème. Et là, on va. Diable, voilà. Bon. Ce que j'ai voulu faire là, mais on verra. Lui, je vais le disable aussi. Ça sert à rien qu'il prenne de l'énergie pour rien. Lui, au pire des cas, on peut l'activer. C'est jamais perdu. Mettre un peu plus dans les batteries. Et là c'est bon, ça construit. Non, j'avais l'impression que ça construisait, mais non. Je me suis trompé. Et au niveau des tombes, est-ce que c'est que ça construit? Invalide construction location. Ok, génial. Ouais. Ouais, pour le moment, ouais. On verra si une fois qu'on aura mis les mesh tiles, ça ira mieux. Alors, wow. Vous avez vu le nombre de clics droits que j'ai dû faire. On commence à avoir une base qui est relativement grande. Là. Là. Attendez, qu'est-ce qu'on a eu? Pas. Avant, je sais qu'on avait des cadavres en fait. Et ces cadavres, ils donnaient bah, du charbon en fait, tout simplement. On pouvait refoutre au feu. Ah, on a évacué une paire de cadavres. Ça a plus l'air d'être ça. Ça mope, c'est bon. On va prendre une 13e personne. Normalement, on n'est pas dans la misère si on la prend.
On va prendre Turner. Voilà. Et en plus, Turner, il regarde pas là au décor. Ça tombe très bien. Surtout chez nous. On construira des tombes aussi. Iron ore, wolframite, ok. On est plutôt équilibré, franchement, au niveau métaux et compagnie. Oh là. Vas-y, Ab, casse-toi. Ok. Bon, là, ça creuse ici, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, si ça avait commencé à creuser en 5, mais... J'ai d'autres priorités. Genre celle-là qui est en 9. Voilà. Bon, ici, c'est un fiasco total. Ils s'en foutent complètement de mon slit 8. Ou alors ils sont débordés. Je sais pas. Je partirais plus pour qu'ils s'en foutent complètement. Mais bon. D'accord, l'autre il va respirer dans l'eau. Avec du pétrole. Ok. On va tous faire ça hein, quand on étouffe. Alors on a une génération insuffisante d'oxygène. Bon, or. Au pire, t'inquiète. Je vais venir ici et je vais repousser là-bas. Ça passe. Alors ici, 30, lol. À 30,5. Je suis pas loin. Au pire, j'enlève celle-là et je plante une Wizworth. Et là, ça devrait aller nickel. Bon, pour le moment, on n'a pas de quoi s'en faire. Joshua ne fait plus rien. Joshua. D'accord, tu dois harvest et c'est tout. Bon, mais alors, tu creuses alors. Voilà. Mais viens pas dire que t'es débordé après, hein. Creuser là en 9, ok. On va les laisser construire quelques petits trucs en 9 au cas où. C'est jamais que s'ennuie. L'amalgame doré, ok. Ça c'est en 9, ça c'est en 9. Ok, ça aussi. Et alors on va faire la tile ici en 9, comme ça. Si jamais ils creusent, ils peuvent toujours faire ça ici. Ok. On verra au pire des cas, on fait une pompe et on met directement dans le pompe, dans le puits à pétrole. Ça aurait l'air bizarre de faire ça, mais bon. Alors, on est déjà au cycle 644. Waouh. C'est jamais arrivé jusque là, vous voyez. Et on n'a toujours pas fait l'automation. Hein. Ce qui est quand même le but de cette upgrade ici. Et malgré tout, bah... Mais j'ai quand même peur de faire l'automation, je dois vous l'avouer. Parce que ça amènerait pas mal de changements ici dans les câbles électriques et compagnie. Et je suis peut-être pas sûr de vouloir le faire totalement à 100%, vous voyez. On va mopper un petit peu pour dire de nettoyer tout ce bordel. Là, on va mettre en 9 pour mettre les cadavres qui doivent encore joncher ci et là autour de notre colonie. Là, et de 1, Joshua. Eh bien non. Ah ouais, là aussi j'ai oublié. Plumbing.
Voilà, comme ça. Donc en gros, quand t'as besoin, tu prends là. Quand t'as pas besoin, tu passes là. Ok, donc ça on peut couper. Ouais, de toute façon maintenant je l'ai pas fait en... Si je fais ça... Et on pourra couper ici alors. Ce câble-ci. Déconstruct. Faut être sûr de son coup, hein. Ouais, c'est le liquid bridge que je dois faire. Pas l'autre, hein, sinon... Voilà. C'est fait. Ça compte, ça passe. Et donc après, je pourrais couper ici. Si je me suis pas planté. Ouais, c'est ça. Pas la tile. Liquid bridge. Non, pas le liquid bridge non plus, je crois. Kit pipe, ouais, je préfère. Voilà. Et là, normalement, on serait tranquille. 42 000 de nourriture, ok, ça c'est cool. Ah, est-ce qu'on a encore des lits d'ailleurs? Moi, je me pose la question s'il n'y en a pas. Non, ça va. On a place pour 15 personnes, ok, ça c'est bon à savoir. Parce que je me pose la question s'il n'y en a pas qui dormaient au sol, finalement. Et donc ça va le faire. Invalid building location. On verra. On va le savoir bientôt si c'est si c'était le bon endroit ou pas. Ok, ici ça va être bon aussi. Ah, suffira juste d'attendre un petit peu que l'eau. Là pour le moment il n'y a pas d'eau. Voilà. J'ai rompu tout le système. Voilà. Il faut juste que celui-ci là. Là. Bon, il y a une paire de trucs à construire encore, hein. C'est pas grave. En soi c'est pas un problème. Et après, il faudrait que je change toutes mes... machines ici pour... Enfin, mes câbles, mes tuyaux et... Pour faire des isolés ou beaucoup mieux que ça, en fait. Sinon, je vais avoir des problèmes aussi. En même temps, le mopage à neuf, je sais pas si ça aide beaucoup non plus. Ou aussi, je vais dire ça comme ça. Et il y a toujours du courant maintenant, on est tranquille. Ouf, j'ai envie de dire. Ah. On va mopper à neuf ici parce que si on a de l'eau, on risque d'être très embêté. Power, j'avais pas pensé au power. Je pense que c'est tout, hein. On n'a pas besoin de plus. Et après, on aura besoin des pompes et compagnie, mais... Non, pas en neuf. Je vais attendre. Ils ont déjà assez à faire et... Ils avancent déjà pas assez. Invalid building location. Ok, bon. Comment je pourrais faire ça? Et je le construise là alors. C'est ça le délire? Ça creuse plus bien sûr. J'aurais dit bah c'est pas grave. Bon.
Eh bien, cancel build. Voilà. Pourtant, j'étais sûr d'être sur du solide, donc malheureusement, ce sera pas le cas. On va faire une mesh tile. Comme ça, comme ça. Ah, c'est vraiment un truc de bourrin. Le top crawl hole. Alors là, j'ai un doute. Voilà. Mais là, il va être complètement immergé, donc ça va pas fonctionner. Un réservoir à huile. C'est quoi un réservoir à huile? Certainement dû rater un truc. Ça, c'est même quasi sûr et certain que j'ai raté un truc. Alors, réservoir à huile. Ah ouais, je me rends compte que même ça ici, j'ai rien fait. Non. Ah, il faut quoi? Du plastique et des métaux raffinés, ok. Tiens, j'ai la première automation. Ah non. Oui, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait déjà des gens qui font des recherches? Voilà, c'est pour ça en fait. Tiens, il manque du courant ici, je sais pas pourquoi. D'accord, c'est assez étrange. Wire connected. Wire connected. Ah, cassé, d'accord. Ok, déconstruire, c'est pas grave. Alors, hop, on va te faire en autre métaux. Voilà, on n'est pas drôle. Et Ada se colle directement à la recherche. Ouais, donc ça va. Elle est bien mise. Niveau 6. Bon, je pense qu'il y avait mieux. Non, il n'y a plus mieux. Bon, il y a niveau 8 pour Ruby, mais c'est pas grave. Ah, c'est bon. Pas grand chose, hein. 30,4. Continue à faire descendre un petit peu la température ici. Ça, c'est déjà une bonne chose. Tous de dos tranquillement. Alors, on va essayer avec une pompe. Je pense que c'est ça, doit être ça. Et pas, j'ai pas d'autres solutions. Je trouve pas d'autres solutions, du moins. Ça, liquid bridge, output. Attendez, attendez, attendez. Raffinerie à pétrole. Oh là, j'ai fait n'importe quoi ici. Entrée par ici, mais non. C'est quoi ce délire? Je devais être fatigué. À mon avis,
Ça devait être tard parce que pour confondre l'entrée et la sortie, il faut être balèze. Hein. Voilà, ouais, je pense que c'était ça que je voulais faire. Comme ça, là on est d'accord. Là, on est plus que d'accord. Ok. Bon, il va falloir que je refasse tout le système ici. C'est l'entrée. Ok. Tac, 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 tac. On monte comme ça. Liquid bridge. Entrée, sortie par là. Ok. Entrée, sortie par là. Ok. Entrée, sortie par là. Ok. Bon. J'espère que c'est du liquide parce que là je commence à plus rien comprendre avec ce truc. La pompe elle est faite. Toi tu pompes ici de l'eau. L'eau tu sais pas où la mettre. Oh là, ça va vite. J'ai fait un bout de recherche et boum. Ok. Bon maintenant, il s'agit de mettre tout ça en œuf pour construire le plus vite possible. Voilà, et on va mettre ça en œuf aussi. Bon, 44 000. Normalement, on est bon. Ouais, ça devrait être bon, hein. Alors, comme on aura un surplus de pétrole, je crois que je mettrai ici quelque part un bac à pétrole. Peut-être même ici, un bac à pétrole. Et je ferai certainement une raffine, enfin un générateur à pétrole à côté. Pour alimenter ici. Et ça devrait être bon. Bon, par contre, on va faire de la route. Enfin, le liquide va faire de la route, c'est pas moi qui vais le faire. H. Alors, on va regarder si on peut prendre quelqu'un. Oui. Ah, destructeur, ça me plaît moins. Allez, toi. Welcome. Suffering. Starvation. Comment c'est possible? Là. Ça devrait être bon. Bon, lui, on va le laisser une fois tout faire. Tout ce qu'il pourra faire en plus, ce sera bien. Il fera des petits boulots ici à gauche ou à droite. Ok, le courant, ça commence à se mettre. Iron ore. Wolframite. Or, j'ai pas assez. On va en mettre un et un. On va les laisser construire. La pompe, elle est là. Ça, c'est nickel. On va déjà laisser pomper tout ça ici. Ça sera déjà bien. Par contre, je sais pas du tout où je vais le mettre, cette eau. Et ouais, c'est pour ça que je me suis arrêté là, au final. Non. Non, non, non. Je me suis pas arrêté là du tout. Ah, non, je croyais y avoir un mort. C'est là que je voulais m'arrêter. Par contre. Ouais, ça c'est l'output, ça c'est bon, ça sort ici. Voyez que j'ai visé très haut pour avoir le temps de pouvoir faire quelque chose avec ça. Voilà, c'est bon ça. Ah, c'est la machine qui fait ça, qui fait le bruit comme si on mourait. Alors les... Ouais, ça c'est pas grave ça. Il me dit en gros qu'il n'y a plus d'algues. Et que les machines ne peuvent pas fonctionner, mais je m'en fous un peu. Là, bon, si j'arrive à garder le petit dernier là, il pourra se faire plaisir. On va essayer de bien monter dans tout ce qu'il va faire. Il va bien aider, ça c'est clair. Allez, ça aurait été cool de le terminer, les gars. Mettre en neuf, hein. Sinon, ça sert à rien d'avoir fait ça.
Voilà, de l'eau, on est bien. Propre, tiens. Il semblait que c'était pas de l'eau propre qui arrivait. Alors. Eh? Et je crois que c'est de l'eau qui va sortir de là, non? J'ai un doute. Or, ça devient de plus en plus étrange. Oh, c'était des câbles en fait. On va laisser ça comme ça, ça paraît bien. On va faire une recherche. On va faire des trucs. Non, on va faire ça d'abord. Les miniaturisation des valves, donc des mini-pompes. Elles pompent un petit peu moins, mais croyez-moi qu'elles consomment beaucoup plus. Et là, on est au flirt avec. Ouais, c'est à cause de la chaleur d'au-dessus en fait. Il faut que j'arrive à. À faire monter cet oxygène, tout simplement. Alors, ventilation. 1, 2. 1, 2. Ça me semble peu. 3. Ça, c'est mieux. Ah. Il galère à sortir le. Va faire ça. Là, je suis pas sûr de mon coup du tout. Alors, waouh. Ça, c'était bon. Tac, tac, touc. Tac, tac. En fait, le but, ça sera de créer, de réduire la température ici qui va inexorablement redescendre celle-ci là. Pas en gros repousser chaque fois la chaleur vers le haut. Enfin, j'espère. Thermosensor, become active, ouais. Waouh. Atmosensor, ça c'est bon ça. Ok. Donc si je fais par exemple ça. Alors attendez. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas celle qui est tout en haut, bien sûr. Parce que sinon c'est trop facile. Ce serait genre ici. Même pas en fait. Je vais quand même faire celle-ci. Voilà. Et alors on a besoin des câbles, si j'ai bien vu. Automatisation wire, d'accord. Ok. Alors c'est nouveau pour moi, hein. Faudra pas m'en vouloir si au début je fais un peu n'importe quoi. Un petit peu comme le pétrole, hein, bien sûr. Mais le pétrole ça compte pas. Si? Alors on me souffle à l'oreille que si, bon. Tant pis. Ah, insulated pipe. Moi, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait du isolé, mais c'est pas grave. Bon, ça c'est du neuf, ça c'est du neuf. Là c'est tout du unreachable. Donc on va tout enlever. Oula, j'ai cru que j'avais enlevé le reste. J'ai pas mis le courant, bien joué. Y a pas de courant dans le coin, si. Vraiment fait à l'arrache. Waouh. Mon Dieu. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, j'étais maître constructeur Lego avant. Carnage. Ouais.
Ah, ben voilà, regardez, ça pousse déjà. On a réussi à atteindre la chaleur cible. Et normalement, si je pousse ici, ça devrait être bon. Et pour bien faire, en fait, il faudrait que je pousse encore un de côté. Pour vraiment bien créer une zone safe. Ouais, 30,1, c'est vraiment limite, limite. Avec ceci, ça ira. Ou avec ceci. Ah, je suis content. Alors, la recherche. 16 sur 50, ok. Les mini-pompes. Ok, bon, ça c'est en œuvre jusque-là, pas de problème. Là aussi c'est en... Ah non. Bon, on va laisser pour le moment. C'est pas un problème en soi. Ça c'est bien ça, ici. Ça on peut laisser encore en stand-by, on a le temps parce qu'il faut quand même mettre une pompe qui va envoyer au filtre. Au filtre, ça marche aussi. Donc, pas de panique. Et c'est ici que je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se rejoint dans le prochain. Merci à tous. Bye bye.